France n'a plus vraiment le choix aujourd'hui. Il faut impérativement s'imposer pour oublier la défaite du premier match et entretenir un espoir de qualification. Bienvenue donc dans cette rencontre déjà décisive, vous l'aurez compris, dans une phase de groupe à 3 matchs. Il faut vite redresser la barre en cas d'accident lors de la première journée. On a senti que les joueurs étaient très concernés. Ils avaient à cœur de rectifier le tir aujourd'hui. Tant mieux, car il faudra être solide pour ne pas quitter cette compétition prématurément. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et voici maintenant l'hymne national du Danemark. Écoutons maintenant le deuxième hymne. Qui a grillé un joker sans doute. Il faut s'imposer aujourd'hui. C'est vrai que l'équipe est sous pression à cause de ce résultat. Cette phase de poule va très vite, vous savez. Mais il reste encore 2 rencontres pour corriger le tir. Le match commence. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? Je ne sais pas, mais avec un joueur comme Christian Eriksen, c'est vrai que tout est possible. On le compare souvent à Schneider et Van de Vaart, des vrais techniciens. Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Oh, quel geste! Il peut choisir de centrer. C'est bien donné. Kanté. Oh, il centre! Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Griezmann! Oh, le gardien est là, la classe! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Poulsen. Jorgensen. Un long ballon vers l'avant. Christian Eriksen. Poulsen. Il renverse, c'est bien fait. Il allonge. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. La faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. C'est bien ce qu'il fait là. Il sent. Et la tête! Sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Ça c'est un beau coup de tête, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Beaucoup de sang-froid pour mettre sa tête. Le geste était parfait.
s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. La France qui réalise un très bon début de match. C'est quand même un début de match de rêve. La France qui est très très bien, début de match presque parfait. Benzema! Belle passe lobée. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Mbappé, le centre. Il tente de se dégager. C'est joué long. Un centre encore. C'est repoussé par la défense. Il tente sa chance. C'est un arrêt important, ça. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Le Danemark qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On voit bien, d'ailleurs, depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc, parce que c'est quand même très compact en face. Griezmann qui cherche une solution. Kanté. Umtiti. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Oh, le petit ballon piqué. Peut-être une occasion pour Christian Eriksen. Il décide d'allonger le jeu. C'est récupéré. Dembélé. Il file côté gauche. Dans la profondeur. Benzema reçoit le ballon. Et ce ballon vers la surface. Bien, bonne intervention. Il cherche la profondeur. Il y aura donc touche. C'est joué long. Le Danemark qui peut avancer. Allez. Dans la profondeur. Umtiti qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Kanté qui cherche la profondeur. Il est passé. Voici un bon centre. Il va être trop court pour récupérer. Un ballon beaucoup trop long là. Bon, il est solide, il récupère le ballon. Avec Dembélé. Il va provoquer. Hernandez. C'est joué derrière. Il choisit la profondeur. Il a trébuché sur cette intervention. Pogba. C'est bien fait ça. Ce ballon bien dosé. La frappe. Oh, c'est dommage. Quelle occasion. Et quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Umtiti. Hernandez. Kanté. Mbappé.
C'est joué long, attention. Il cherche un coéquipier. C'est repoussé. On approche de la pause avec ce léger avantage. Lorsqu'on mène 1-0 et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien on peut attendre tranquillement la pause. C'est parti. Kerr. La France qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Kerr. S'il le trouve, Poulsen, et pour lui, attention. Pogba qui est récompensé de son pressing. Poulsen. Long ballon dans le sens du jeu. Il perd l'équilibre. Le ballon dans la profondeur. Dembélé. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Premier corner dans cette rencontre. De la tête. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Quelle occasion. Intéressant. C'est bien dosé. Va-t-il en profiter? Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause, le public est satisfait, il faut qu'il continue comme ça. La France qui mène donc 1-0, mais attention, tout est encore possible en seconde période. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Christian Eriksen qui change tout. Changement d'aile, magnifique. Le ballon dans la profondeur. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est tout seul. C'est osé. Pogba. Il cherche la profondeur. Cette attaque n'a pas pu se développer. Jorgensen. Ça joue long vers l'avant. Avec Dembélé. Dembélé! Il a failli en profiter. Il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir chippé ce ballon. Ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Jorgensen. Christian Eriksen. En retrait pour repartir proprement. Jorgensen. Pour filer droit au but. Il préfère jouer avec son gardien. Hernandez. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Griezmann.
Ça joue à gauche. Pogba. Il allonge vers l'avant. Et c'est directement récupéré. C'était une longue séance de conservation, mais bien stérile au final. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. La frappe! Il est allé au bout de son action. Bien joué. Il a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste. Dommage. France qui effectue un changement. Diaby qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. C'est joué long. Il reçoit le ballon. Bien joué ça. Et il cède sous la pression. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. La tête! Oh oui, but! Le but! Et ils sont de retour dans cette rencontre. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo! Ça repart du rond central, égalité parfaite. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Il joue en profondeur. Un grand dégagement le plus loin possible. Ça joue long. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Longue passe, bien servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, il y a danger. Et le centre. Allez, la tête. La parade, magnifique. Ah oui, superbe. Dangereux. Attention à l'autre tir. L'arbitre signale une faute. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Titi. Une petite faute là. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Titi. Griezmann. Avec Kanté. L'interception, c'était chaud. Ça peut être extrêmement dangereux. Ah,
c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Dans la profondeur. Ça joue long vers l'avant. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Le long dégagement du gardien. Ça, c'est une interception parfaite. Hernandez qui attend peut-être les appels. Ils obtiennent un coup franc. Dans la profondeur. Le bon dégagement. Griezmann. C'était une bonne occasion, dommage. Il allonge le jeu. Ça revient dans l'axe. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il choisit la profondeur. Raphaël Varane. Hernandez. La France pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Qui est le plus fatigué? Qui peut aller chercher le but de la victoire? Il faut faire vite, le chrono tourne. C'est le moment ou jamais de marquer ce but ô combien précieux. Coman. Dans la profondeur, bien vu. Le gros dégagement. Avec Coman. Oh, c'est chaud. Reprise. Quel manque de précision. Ah, oh, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Allez, allez, un petit peu d'énergie. Le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite, vers l'avant. Fekir. Diaby. Diaby! C'était presque au fond! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. C'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Coman ! Bien, la profondeur. Ça défend comme ça peut. Avec Kanté. Il doit vite trouver une solution. Il enchaîne les dribbles. Fekir qui récupère ce ballon. C'est centré. C'est repoussé. La bonne passe. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Quelle passe. C'est joué dans l'espace. Il est bien placé. Ça joue. Trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et personne n'aura pris
L'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre, on s'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses, Darren, comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.